toujours semblant de soit d'être très pauvre, soit d'être très... Chaque mardi, 21h30, 23h, Cédric Cizer vous ouvre les portes de son Cizer Palace. Est-ce que t'as un conseil de drague, toi, que tu fais, qui marche? Est-ce que c'est des SMS? Est-ce que c'est des lettres? Est-ce que non, directement, toi, tu vas voir la meuf? Qu'est-ce que tu fais comme la menace, le GHB, évidemment. En fait, en réalité, comme je suis assez méfiant, je fais toujours semblant de soit d'être très pauvre, soit d'être très, soit d'être très ou pas beaucoup. Mais moi, je fais l'inverse. Pas beaucoup, de pas connaître grand chose, etc. Ah, jusqu'à ce que je trouve, comme dans cette fameuse film du film Ludwig van Beethoven, où il tombe sourd à un moment, qu'il est en train de jouer sur scène et que tout le monde se moque de lui. Et que là, il y a une femme qui arrive à voir la clairvoyance. Et elle se dit bien, moi j'ai détecté quelque chose, c'est cette personne et elle va l'aider. Je suis un peu, je suis loin de Madame de Merteuil. Je suis Valmont sur la fin. Ça veut dire, ok, c'est un jeu, c'est un sport. Les gonzesses on dit, ou des trucs comme ça. Mais à partir d'un moment, on se rend compte que c'est sérieux. Et là, il dit, merde, j'ai aimé vraiment. D'accord. Alors, comme c'est un sentiment assez extraordinaire, enfin, je sais pas ce que ça fait d'avoir 10 millions d'euros. Moi non plus. C'est compliqué. Bon. Alors, moi, je place ça à des niveaux comme ça. Si t'es aimé vraiment, ça vaut d'avoir 10 millions d'euros. D'accord. Bah écoute, ça paye pas le loyer. C'est toujours pas la réponse à ma question, mais c'est pas grave. Non, Romain, c'est quoi ta technique? Je triche, je fais semblant. J'essaye de voir si elle va m'aimer. Si elle va m'aimer, en fait, loin des critères et des valeurs habituelles de la séduction. D'accord. Là, ça, voilà, ça c'est clair. Voilà, ça je. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.